Pourquoi aujourd'hui j'ai choisi le titri, le Melaleuca à feuilles alternes ou l'arbre à thé, Melaleuca alternifolia? Parce que c'est une huile antiparasitaire. Or, on est en septembre, c'est la rentrée des enfants à l'école. Et c'est une huile qui est immunostimulante. Voilà pourquoi titri avait complètement sa place en septembre. Chaque huile essentielle aura sa place dans un mois qui s'inscrit dans une saison, etc. Donc le titri, c'est Melaleuca alternifolia ou Melaleuca à feuilles alternes. On appelle titri ou arbre à thé. Le titri a été découvert un peu, enfin en tout cas a été mis en avant, mis en lumière par James Cook, navigateur, qui parcourait le monde avec sa flotte et qui a débarqué en Australie et qui est resté quelque temps en Australie, en terre australe. Au bout de quelques mois qu'il vivait là-bas, il a observé que les indigènes ou les gens locaux, ceux qui mettaient des feuilles de cet arbre dans la tisane, étaient moins malades que les autres, étaient en meilleure santé physique. Bon, il était fin observateur quand même, parce qu'à l'époque, pour observer ça, c'était fin. Donc on est dans les années 1750 à peu près, et donc c'est lui qui a donné le nom de arbre à thé, parce que les gens localement mettaient les feuilles de cet arbuste dans leur thé. Le Melaleuca alternifolia pousse dans des épais fourrés, là où il y a des araignées, des animaux venimeux. Je vous dirai à la fin de la vidéo que cette huile essentielle porte la signature du guerrier,